Résultats assez infortunés. Jean-Marc Côté puis Clément Côté avaient le même nombre de voix. A fallu checker ce que la loi de Saint-Fortuna prévoyait dans ce colonne. C'était clair, le maire serait celui des deux avec la plus grosse queue. Fait que le jour suivant, tous les habitants se rendirent à l'auberge pour voir lequel des deux ciboires avait la plus grosse verge. Au premier rang, il y avait les fifres reconnaissables à la moustache sous leur pif. Il y avait les femmes au rang second reconnaissables à leur toton. Soudain, Madame Lamont Montagne arrive à l'auberge avec sa règle à mesurer les verges. C'est l'heure de boire des beaux bâtons gros à Saint-Fortuna. Ooh yeah! Clément confiant déballe le premier son cadeau de 20 invités. Tout le monde est déçu, c'est une petite joufflue, le bout tout couvert de pu. Jean-Marc sort la sienne, le monde est dubitatif, ça a tout l'air d'une graine de fif. Tout autour d'elle, les mouches se hasardent et elles sont fort la marde. Les fifs sont contents de ce coming out, mais Jean-Marc dit wow avant que les rumeurs partent. Il n'y a pas que les tapettes qui s'engouffrent dans les arrières gouffres. Vous demanderez à Madame la Montagne et la dame de rougir comme une tomate d'Espagne. Ben voyons madame, y'a pas de mal à ça, même à Saint-Fortuna. Oh yeah! Danseuse du coin qui veut y mettre du sien enlève sa brassière neuve. Tout le monde lève son verre à la belle grosse paire, mais y'a pas que les verres qui lèvent. Madame la Montagne profite du momentum pour mesurer ses deux hommes. Mais Clément qui est éjaculateur précoce, il vide d'en face ses gosses. Oh ben tabasse lac, ça c'est pire qu'une claque. Quel manque de classe, et aussitôt Jean-Marc, l'adversaire de celui qui est trop vite en affaire, est déclaré maire. Alors Madame la Montagne et le pauvre Clément se réconcilient sur le champ. À santé du gagnant, il se colle une tequila sans rancune à Saint-Fortuna. J'étais allé quelques fois à Saint-Fortuna pour donner des shows. Le monde est bien trop sous, mais c'est pas bien grave, nous autres aussi on est bien chaud. Reste que c'est un maudit beau village où il fait bon s'arrêter en voyage. Avec ses bisons, son festival, son auberge, son théâtre, ses poules, ses vaches, pis ça tourne dans le bois, on dit hurrah pour Saint-Fortuna.